les petits potes, c'est Rocky. Aujourd'hui, petit gameplay avec une des anciennes méta de Warzone 2 et j'ai nommé la ISO M-Lock. Et oui, j'avais envie de retester cette arme, voir ce qu'elle valait aujourd'hui sur Warzone 3. Et ce que les gens aimaient, c'est cette arme à l'époque de Warzone 2, c'est qu'elle avait zéro recul et elle a toujours zéro recul. En termes de profil de dégâts, c'est sûr qu'on n'est pas sur une arme méta, mais pour changer, ça peut être très sympathique. Parce que étant donné qu'elle a peu de recul, vous allez connecter la majorité de vos balles et donc franchement ça va être une arme très 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 viable. Donc en termes d'accessoires canon, j'ai mis la poignée lourde de soutien brune pour tout ce qui est contrôle de recul, le canon Fielder T50 pour tout ce qui est contrôle de recul, portée de dégâts, vitesse des balles. Vitesse des balles qui font tous défauts aux armes de Warzone 2, MW2, donc on rajoute un silencieux VT7 Spirit Fire en bouche pour réaccélérer la vitesse des balles et avoir aussi un bonus en portée de dégâts et en recul. Le chargeur, j'ai mis le 45, c'est aussi un inconvénient cette arme, c'est que le maximum de cartouches c'est 45. J'étais en solo trio, mais bon, ça m'a pas tant pénalisé que ça. Et en viseur, vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis le Corio Eagles de Henny. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Dans mon bac. Il est là. Il y en a qui sont par là. Dernier. Ah, prison. On se fait battre. Ah merde, putain, dommage.